imagine you're a 25-year-old young woman who has been forced to perform since as long as she could walk. She would love for new eyes to see her situation, but if she brings it up, she's constantly threatened that the conservators will take her kids away. Little conspiracy going around that Britney Spears is being held against her will. Maybe she is needing a conservatorship, and maybe her dad is helping, and these conspiracy theories are getting out of control. That idea that Britney is a puppet who just gets moved around and told what to do is incredibly inaccurate. It seems obvious that both Jamie and Lynn want her to get better. The conservatorship is in place to keep her healthy. Raising children, doing all these tours, doing all these concerts. Someone who needs conservatorship is mentally incapacitated, and she has proven to do the opposite. People manipulate young women, they manipulate kids. It's dark and demonic energy that this industry was built on. Making anyone work against their will, taking all their possessions away, credit card, cash, phone, passport. The only similar thing to this is called sex trafficking. Il y a des gens dans ma vie qui étaient tout simplement mauvais. J'étais très prudente au début, mais j'en suis arrivée à un point où j'ai fini par les laisser entrer parce que je me sentais seule. J'en avais vraiment payé le prix. J'ai travaillé en tant que journaliste spécialisée dans le divertissement et j'ai couvert Britney Spears pendant de nombreuses années. J'ai travaillé pour le magazine US Weekly, pour le magazine In Touch Weekly. J'avais ma propre rubrique dans l'édition Red Eye du Chicago Tribune. J'ai été envoyée à Kentwood, en Louisiane, à de nombreuses reprises pour couvrir Britney. J'ai rencontré Kevin Federline, j'ai rencontré Jason Alexander. J'ai rencontré plusieurs personnes qui sont proches de Britney Spears. Même avant sa mise sous tutelle, il était très clair qu'elle était entourée de personnes en qui elle ne pouvait pas avoir confiance. Qu'elle était manipulée, qu'elle était trop contrôlée. Même avant d'être emmenée dans un établissement psychiatrique et placée en internement 51-50, il était très clair que Britney Spears avait été victime d'une forme d'abus. Maman et papa sont mes plus grands fans. Ils aiment quand je chante, encore plus que moi. Ils m'ont appris à faire des sacrifices, à travailler dur et à ne jamais manquer une audition. Je leur dois tout. Et tout est comme il se doit. Once upon a time, in a land far, far away, there lived a beautiful girl named Britney. She could sing, dance, and do gymnastics, and everybody in the town loved listening to her perform. She would excel in everything she did, and to the outside world, she seemed to have it all. But home life was a hot mess. Britney's family were very poor. Her mom, Lynn, said they often had to rob Peter to pay Paul just to get by.
Brittany's dad, Jamie, had a really hard time getting his hands on money. After a long time of financial instability and a string of failed businesses, Jamie filed for bankruptcy. Lynn threatened to divorce him many times when Brittany was just a kid. Then there were rumors that Jamie was messing around on Lynn. And it was no secret he loved to shine up that Pepsi Max. Sometimes when Jamie was in a drunken rage, things got pretty rough. This one time, he got as juiced up as Cooter Brown and tried to drive off with Brittany when she was just 5 years old. Uncle Willie tried to reach down and grab the keys, but he got punched up instead. All while Brittany was hysterical and crying in the back seat. One time, Jamie came home totally wasted and called Lynn a very naughty word. Then, he grabbed her glass of water and threw it across the room. This became just a normal day in the Spears home. But then, Brittany became a rich, famous, and beautiful pop princess, and they all lived happily ever after. Brittany a grandi dans la petite ville de Kentwood, en Louisiane, et a travaillé très dur dès son plus jeune âge pour devenir une star. Elle a commencé à prendre des cours de danse à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui encore, ses concerts sont remplis de fans du monde entier qui l'adorent, sans savoir qu'ils sont complices d'un sinistre et potentiellement criminel concours de circonstances qui se joue en coulisses depuis le début. Ces dernières années, des fans passionnés ont sensibilisé le public à l'idée désormais répandue que Britney Spears est au minimum victime d'une fraude financière à long terme de la part des personnes qui prétendent défendre ses intérêts. Lors de sa comparution devant le tribunal le 14 juillet, Britney nous a dit avec ses propres mots qu'elle avait des problèmes d'abandon depuis son enfance et qu'elle avait toujours eu peur de son père. Pop star said that there have been times in her life where she's been, quote, extremely scared of her dad. She wants him removed and charged with conservatorship abuse. Mais juste au moment où la famille Spears était en train de plonger, Britney a atterri dans le cœur de millions de personnes avec sa première apparition à la télévision dans Star Search. Ce qui lui a permis de percer en 1992 en tant que membre du casting du Mickey Mouse Club aux côtés de Justin Timberlake, Christina Aguilera et Ryan Gosling. Dans un nuage scintillant de poussière de fées du showbiz, elle a brisé le plafond de sa petite ville du Sud et s'est dirigée vers les lumières de Los Angeles, pleine d'espoir et de possibilités dans le monde. Mais, entraînée dans le courant de l'ascension fulgurante de Britney, une bande de mauvais acteurs, sans scrupules et suceurs de sang, complotaient déjà pour s'approprier son futur patrimoine. Alors qu'ils enquêtaient sur les détails profondément inquiétants de la mise sous tutelle forcée de Britney, ses fans fidèles sont tombés, sans le vouloir, dans un horrible terrier du lapin. Peu de gens se doutent que sa propre famille pourrait finalement participer à une conspiration tentaculaire, potentiellement criminelle, impliquant des fraudes financières, des fautes médicales, de la servitude involontaire et du travail forcé, jusqu'aux échelons supérieurs d'Hollywood et de Washington, D.C. Now are you sure you want a piece of me? You want a piece of me? Oh, where do we start with Luke Taylor? Okay, so... Lou Taylor est la PDG d'une société appelée TriStar Sport and Entertainment. The best piece of advice I ever got from a mentor was to just do you. I know that sounds cliché, but it's really not. Don't worry about what other people are saying, and don't worry about what other people are saying about you. And don't worry about what other people are saying about you. Court records show. Les dossiers judiciaires montrent que Lou Taylor est celle qui a réussi à convaincre Jamie Spears de mettre Britney sous tutelle.
Britney into a conservatorship. Elle a en fait servi de porte-parole à Britney Spears après que cette dernière ait été placée pour la deuxième fois dans une unité psychiatrique. Lou Taylor is the business manager for Britney Spears' father, mother, and younger sister, Jamie Lynn. Lou, good morning to you. Good morning, Meredith. Thanks for having me. Et ce que nous savons aussi, c'est que Michael Lohan et Courtney Love ont dit que Lou Taylor a essayé de les impliquer dans des tutelles. Michael Lohan a dit que Lou Taylor voulait que Lindsay Lohan aille en désintoxication comme une excuse pour mettre Lindsay Lohan sous tutelle. Lou Taylor pourrait alors la contrôler, elle et son argent, ce qui est exactement ce qu'elle a fait à Britney Spears. Salut Lise. Bonjour, comment ça va? Attendez, ne quittez pas, pour être bien sûr que j'enregistre. Pouvez-vous expliquer comment Lou Taylor a conspiré pour mettre Lindsay sous tutelle, sans que Lindsay ne sache ce qu'il se passait? Elle est allée derrière le dos de Lindsay et a essayé de se lier d'amitié avec la mère de Lindsay, Dina, mon ex-femme, de la même manière qu'elle l'a fait avec le père de Britney. Elle cible le maillon le plus faible, pour ainsi dire. Et bien sûr, quel meilleur moment pour le faire que lorsque quelqu'un est en cure de désintoxication pour dire qu'il y a des problèmes et qu'il ne peut pas s'occuper de lui-même. Alors qu'en fait, même lorsque Lindsay était en cure de désintoxication, elle était dans un endroit où elle avait toutes ses capacités. You know, sometimes you just end up having people around when you're younger in this industry just to have people there. Because right. You're always around people and then it can get very lonely. Comment avez-vous réussi à les empêcher de la mettre sous tutelle? Je voulais des informations qu'elle ne pouvait pas fournir. Les informations qu'elle a fournies ont été détournées et elle est passée à un autre sujet. Elle n'a pas répondu aux demandes que j'ai formulées. Lindsay a toujours été avant tout ma fille et c'est tout ce qui comptait pour moi. Donc je n'avais pas accès aux finances. Je n'ai jamais eu un centime ou voulu un centime. Je voulais juste qu'elle soit bien, entourée de bonnes personnes. Les gens qui l'entouraient, ses amis, l'ont entraîné dans la mauvaise direction. C'était difficile. Si vous avez un enfant, vous devez vraiment garder un œil sur eux. Gardez la laisse aussi serrée que possible. Je ne peux pas parler de ma situation, mais la vérité va sortir. Les choses qu'ils ont faites sont vraiment mauvaises. Et ils ne peuvent pas faire face à la vérité. Ils sont aveuglés par l'argent, c'est horrible. Mais c'est entre eux et Dieu. Courtney Love a interpellé Lou Taylor pour avoir essayé de la mettre sous une sorte de tutelle qui contrôlerait en fait l'image et la musique de Kurt Cobain. Quelqu'un a posté sur sa page Instagram: est-il vrai que Lou Taylor, qui a planifié la mise sous tutelle de Britney avec son père, voulait aussi te mettre sous tutelle? Courtney a répondu. La réponse courte est oui. Lou a essayé d'obtenir une sorte de mise sous tutelle. Elle a essayé de contrôler le nom et l'image de Kurt et toutes les chansons de Nirvana, puis de vendre l'édition. Et à ce moment-là, j'aurais été placée sous tutelle ou plus probablement morte. J'ai réussi à bloquer Lou, mais pas ses copains. Sa meute de loups a failli me tuer, moi et mon unique enfant. Il y a un modèle répétitif avec Lou Taylor. Elle semble toujours être présente lorsqu'une célébrité traverse une période difficile et que les parents sont vulnérables.
qu'il s'agisse de leurs propres problèmes de dépendance ou de difficultés financières. L'équipe de Britney a utilisé toutes sortes de tactiques d'intimidation contre les fans de Britney. Au début de la semaine, Brave Heavy a publié une histoire qui a d'abord été publiée en page 6 et qui détaillait l'expérience présumée de Courtney Love avec Lou Taylor. Jordan Miller, qui dirige un site de fans de Britney Spears, Breathe Heavy, a été menacé non seulement par Jamie Spears, mais aussi par Lou Taylor. Si vous êtes un fan de Britney Spears, vous êtes bien conscient de la présence de Lou Taylor et de ses liens présumés avec la mise sous tutelle de Britney. Courtney Love a fait des déclarations à propos de Taylor, que cette dernière veut réfuter publiquement. Et Taylor m'a donc envoyé par l'intermédiaire de son conseil juridique une lettre de mise en demeure indiquant que si je ne retire pas l'histoire, je pourrais être impliqué dans une bataille juridique avec elle. Donc, comme je ne veux pas être impliqué dans un quelconque drame juridique avec Taylor ou en général, j'ai décidé d'obtempérer et je vais présenter des excuses. Tout ce que Jordan a fait, c'est rapporter ce que Courtney Love a dit. Au lieu de s'en prendre aux médias grand public qui avaient couvert l'histoire, elle s'en est prise à un jeune fan de Britney, car elle savait que certains de ses fans n'avaient pas nécessairement l'argent pour engager un procès contre ces personnes puissantes. Même si je n'ai pas personnellement l'impression que je devrais avoir à le faire, que les excuses devraient venir d'un endroit sincère de votre cœur et tout, mais je comprends aussi ce qui est en jeu. Et je préfère continuer à faire avancer les choses parce qu'il y a plus important que ceci. En juillet 2011, quelques mois seulement après la révélation que Lou Taylor faisait officiellement partie de l'équipe de Britney, les fonds de l'association caritative de Britney, la Fondation Britney Spears, auraient été réduits à néant. Selon les registres de liquidation, 50 000 dollars sont allés à l'association caritative Mercy Ministries, liée à Lou Taylor. The Hillsong Church is trying to distance itself from claims it's linked to a group which abused young women seeking help to overcome mental problems. Rhiannon signed up to Mercy Ministries, suffering depression and seeking help. Instead, she says she became the victim of a Bible cult and held captive for 9 months. Lou et son mari, le pasteur Rob Taylor, se sont associés à Mercy Ministries. Ils ont aidé l'organisation caritative en lui apportant un financement et ont participé activement à ces événements. Lorsque Lou représentait le top modèle Nikki Taylor, Nikki était présidente honoraire de Mercy Ministries. L'église du pasteur Taylor, la chapelle Cavalry, a même inscrit Mercy sur son site comme faisant partie de ses missions. L'organisme de bienfaisance, selon son propre site web, prétend aider les jeunes femmes en difficulté, notamment celles qui ont été victimes d'abus sexuels et, ironiquement, de trafic sexuel. En 2009, la section australienne de Mercy Ministry a dû restituer 120 000 dollars pour avoir pris l'aide gouvernementale de leurs patients tout en prétendant faussement qu'ils faisaient appel à des thérapeutes agréés. Un membre du Parlement australien a qualifié l'organisation d'être un très mauvais exemple de secte lucrative. Il est très inquiétant que l'argent de la fondation Britney Spears ait été transféré à une fondation liée à Lou Taylor et criblée de plaintes pour corruption et abus, au point qu'elle a dû fermer des sections et renommer l'organisation caritative. Je devrais vraiment étudier pour l'examen du barreau en ce moment, mais je suis obsédée par cette histoire de libérer Britney. Alors, à qui dois-je envoyer ça si j'ai trouvé tous les documents légaux originaux? Le 10 juillet 2020, j'ai fait ma toute première vidéo de libérer Britney. Un mois et deux jours plus tard, j'ai découvert que Lou Taylor a travaillé de 2004 à 2013 au conseil d'investissement Stonebridge.
Lou Taylor est devenue la directrice commerciale de Britney Spears pendant ces années. Elle était également chargée de rendre compte au tribunal des successions de Californie de la valeur de la fortune de Britney sous tutelle. Il n'y avait pas vraiment de personne au-dessus d'elle. Elle s'occupait de presque tous les aspects financiers de la vie de Britney Spears, tandis qu'elle était toujours propriétaire, directrice, employée et conseillère en investissement auprès de Stonebridge. Elle est donc en quelque sorte des deux côtés de cette transaction et il n'y a vraiment personne au-dessus d'elle qui la contrôle. Vous avez ensuite Jamie Lynn Spears en tant que gestionnaire de la fiducie de Britney que personne ne connaissait. Court documents show Jamie Lynn is now trustee of the pop princess's estate and must ensure it's used to protect Britney's two children if she passes away. Britney Spears est sous tutelle depuis plus de 12 ans et elle ne peut faire confiance à personne autour d'elle, pas même à sa sœur Jamie Lynn Spears, qui agit dans son dos et travaille avec sa directrice commerciale, Lou M. Taylor, prétendument folle, pour transférer de l'argent de l'une de ses plus grosses fiducies vers l'un des comptes commerciaux de Lou M. Taylor. Il s'avère que dans ce fichier, Jamie a demandé au tribunal d'ajouter Stonebridge Wealth Management à la fiducie. Pourquoi cette société pour laquelle Lou M. Taylor travaille et dont elle fait partie est-elle placée dans la fiducie de Britney? Le 18 août, Jamie Lynn Spears a demandé au tribunal de transférer 100% des actifs de la fiducie de Britney, sa fiducie la plus précieuse qui protégeait tout son argent, y compris l'argent liquide, les bijoux, les vêtements et les voitures. À mon avis, ce qu'ils essayaient de faire, c'était d'être en mesure d'opérer de manière totalement libre de tout ce que Britney Spears aurait pu vouloir. Cet argent aurait été transféré par l'intermédiaire du conseil d'investissement Stonebridge. Lorsque les fans de BJ et de Britney ont révélé le possible hold-up en cours, Jamie Lynn a mystérieusement fait marche arrière et retiré la demande qu'elle avait déposée pour transférer l'argent de la fiducie de Britney vers la société d'investissement liée à Lou Taylor. Il est très possible que les fans de Britney aient en fait sauvé sa fortune en attirant l'attention sur la possible tentative de vol qui était en cours. C'est probablement à ce moment-là qu'il est devenu évident que la sœur de Britney et le reste de sa famille étaient sciemment complices de son trafic pour leur profit personnel. Lou Taylor a fièrement affiché Prince comme l'une des nombreuses célébrités qu'elle représente, s'occupant spécifiquement des droits post-mortem de sa succession. Et des documents judiciaires montrent qu'elle a été payée plus de $200,000 pour ses services rendus. Puis, le 2 janvier 2021, une contestation a été déposée par l'IRS, qui a affirmé que sa succession avait été sous-évaluée de 50%. The IRS saying it's worth $163.2 million and accuses administrators of undervaluing his assets by $80 million. Comerica Bank and Trust, overseeing the late music icon's estate, claims it's worth just $82.3 million. The IRS wants the bank to pay up over $32 million in back taxes. On sait peu de choses sur l'étendue du rôle de Tristar dans cet écart massif. Mais cela représente un autre cas de détournement important de fonds dont a souffert l'un des plus célèbres clients de Lou Taylor. Dès 2015, Lou Taylor est apparu devant les registres publics comme agent enregistré pour la société de cosmétiques de Kylie Jenner, King Kylie Holdings, ainsi que pour la société de Kim Kardashian, KKW Fragrance LLC. L'entreprise de Kylie a ensuite été évaluée à 1,2 milliard, et Forbes a annoncé qu'elle était devenue la plus jeune milliardaire autodidacte.
Kylie Jenner just cut a major deal. The 22-year-old of Keeping Up with the Kardashians fame, of course, has agreed to sell a majority stake in her cosmetics line to industry giant Coty for $600 million. And the deal values her brand, in total, $1.2 billion. Ses légions de fans fidèles l'ont félicité pour ses prouesses entrepreneuriales et son sens des affaires, sans se rendre compte qu'ils assistaient à une autre des possibles escroqueries de Lou Taylor. Coty a acheté une participation massive, tout en faisant apparemment très peu de diligence nécessaire pour déterminer si l'évaluation était exacte. Ils ont investi plus de $600 millions de la valeur de leurs actionnaires pour acheter la participation. Et selon la SEC, ils ont réalisé la transaction en espèces, inhabituelle pour des acquisitions de cette taille. Lou Taylor était un agent agréé pour Kylie Cosmetics à l'époque. Il est donc probable qu'elle ait joué un rôle clé dans la négociation de la vente. Les actionnaires de Coty ont ensuite remis en question l'opération après avoir réalisé que l'entreprise de Kylie avait été largement surévaluée. Forbes s'est même rétractée en affirmant qu'elle avait très probablement montré de fausses déclarations de revenus. Depuis, des procès ont été intentés contre les deux sociétés face à Coty par des actionnaires mécontents qui ont réalisé que leurs investissements avaient été dilapidés dans des transactions toxiques et suspectes. C'est maintenant que ça devient vraiment bizarre. Au moment de la vente en espèces de 51% de King Kylie LLC par Coty, un paiement énorme et inhabituel a été effectué sur le compte du conseil d'investissement Stonebridge, pour un montant de, vous l'avez deviné, environ $600 millions. Après avoir révélé le mystérieux paiement de $600 millions à Stonebridge, BJ a été confronté au responsable de son cabinet juridique, qui lui a dit qu'ils avaient été contactés par Lou Taylor, qui demandait que toutes les vidéos de BJ soient retirées d'Internet. Et j'ai dit non. On a dit à BJ que Lou Taylor était devenue une cliente du cabinet et qu'elle n'avait donc plus le droit de faire des commentaires désobligeants sur les médias sociaux. Elle a refusé et a démissionné du cabinet. Il est devenu clair que j'allais devoir commencer à respecter un ensemble de règles totalement différentes et injustes. J'ai dû prendre la décision de quitter mon emploi, et avec le recul, je me rends compte qu'il s'agissait d'une énorme tactique d'intimidation. Et j'avais peur. J'ai d'ailleurs toujours un peu peur. Je refusais simplement qu'ils puissent dire qu'ils m'avaient renvoyé de mon travail. Jamais. Si Lou Taylor est peut-être la tête du serpent de la tutelle, le reste de l'équipe d'escrocs parasites comme Sam Ingham, Viviane Torin, la juge Reva Guts, la juge Brenda Penny, Brian Spears, Larry Rudolph, Andrew Wallet et Jamie Lynn sont restés là à regarder, chacun jouant son rôle pour convaincre le monde que Britney est parfaitement heureuse et que son argent est en sécurité. Le plus triste, c'est peut-être que ses propres parents se sont laissés utiliser comme des marionnettes pour donner au public l'image d'une famille dévouée dont le seul intérêt est le bien-être de leur fille. La réalité est qu'ils ont tous conspiré pour propager le mensonge hideux et largement accepté, selon lequel Britney ne pouvait pas prendre soin d'elle, afin de pouvoir continuer à s'accaparer sa richesse durement gagnée à perpétuité. Et ils continueront à s'en tirer jusqu'à ce qu'une enquête criminelle officielle soit menée sur Lou Taylor et sa toile d'araignée de transactions commerciales suspectes que les journalistes citoyens du mouvement Libérer Britney exposent depuis des années. You want a piece of me.
Des documents officiels montrent que le cabinet d'avocats de Jamie Spears, Holland & Knight, a facturé à la tutelle près de 1,5 million de dollars sur une période de 8 mois seulement. Le tout payé avec l'argent de Britney. Parmi les dépenses, on trouve une somme importante de 500 000 dollars destinée à Media Matters, un fonds dont beaucoup pensent qu'il a été mis de côté pour faire face à la vague croissante de colère publique dirigée contre Jamie Spears et l'équipe de direction de Britney. Des avocats que Britney n'a pas choisis ont donc pris l'argent qu'elle ne leur a pas donné pour orienter un récit public qui leur permettait de continuer à être payés indéfiniment. Les agences de presse ont été guidées vers trois récits fondamentalement favorables à la mise sous tutelle. Pour que la mise sous tutelle corrompue et injustifiée soit maintenue, Britney devait être considérée comme mentalement incapable. C'est la raison pour laquelle la principale stratégie de relations publiques pour la mise sous tutelle a toujours consisté à maintenir le mensonge selon lequel Britney est incapable de prendre soin d'elle-même. Même si ses performances nocturnes impeccables et ses autres apparitions publiques lucratives témoignent d'un haut niveau de compétence et de professionnalisme. La prise de conscience de la situation critique de Britney approche rapidement un seuil, mais les agences de presse compromises travaillent toujours sans relâche pour faire passer le même vieux scénario. Because you've probably heard there were some stories last week that she was being held against her will. Obviously, here she is out and about. Clearly, she's not a prisoner at this facility. She's not. Faire travailler quelqu'un contre sa volonté, lui enlever tous ses biens, cartes de crédit, argent, téléphone, carte d'identité et le placer dans un foyer, je travaille 7 jours par semaine, pas de jour de repos. En Californie, la seule chose similaire à ça, ça s'appelle le trafic sexuel. I mean, she checked herself in with some pretty deep-seated trouble. Je suis désolée, Britney, tu dois écouter tes médecins. Ils prévoient de t'envoyer dans une petite maison à Beverly Hills pour suivre un petit programme de réadaptation qu'on va t'inventer. Tu vas payer 60 000 dollars par mois pour ça. He runs her conservatorship and has for more than 10 years, and she is very close to him. J'ai pleuré au téléphone pendant une heure. Il a adoré chaque minute. Le contrôle qu'il avait sur quelqu'un d'aussi puissant que moi pour blesser sa propre fille, 100 000%, il a adoré ça. Part of the tailspin was getting off a regular schedule with her medication. Le lendemain, il m'a immédiatement mis sous lithium, comme par enchantement. Le lithium est un médicament très très fort et complètement différent de celui auquel j'étais habituée. Vous pouvez devenir mentalement déficient si vous en prenez trop. She has never been formally diagnosed with being bipolar, but there are signs that it mimics that at the very least. Right. Je suis tellement en colère et je pleure tous les jours. Ça me préoccupe. On me dit que je n'ai pas le droit de dénoncer les gens qui m'ont fait ça. Pour ma santé mentale, j'ai besoin que le juge m'autorise à faire une interview où je pourrai être entendue sur ce qu'ils m'ont fait. This conservatorship will go on indefinitely, probably for the rest of her life. This is CNN, the most trusted name in news. Les agences de presse qui bénéficient vraisemblablement de ces millions veulent nous faire croire que Britney a une autonomie totale sur sa propre vie et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Dans une interview de Chloé Mellas de CNN, réalisée avec le défenseur de Britney en mai et qui n'a jamais été diffusée, Chloé a insisté sur le fait que Britney n'est pas une prisonnière. Ce que m'ont dit à plusieurs reprises les personnes qui travaillent aux côtés de Britney, c'est qu'elle n'est pas prisonnière chez elle. Il a également été question d'un rapport en 2019 selon lequel Britney aurait dit à la juge Brenda Penny qu'elle craignait son propre père, ce que Chloé a nié avoir vu. Pourquoi pensez-vous qu'elle est allée là-bas si elle déteste tellement son père, si elle déteste la mise sous tutelle et si elle a peur de lui? Qu'est-ce que vous en pensez? CNN n'a pas diffusé le moment où BJ a remis les pendules à l'heure, soulignant que ce rapport provenait en fait de Chloé elle-même. Ce n'était pas en public. En fait, l'une des sources qu'il a rapportées, c'était toi. Alors, je l'ai lu dans un rapport de CNN. Je ne sais pas de quoi vous parlez en ce moment. J'aimerais bien voir ça.
La fuite de cet enregistrement révèle clairement l'indifférence journalistique de Chloé, alors que Britney elle-même affirmait qu'elle était en danger, et expose le parti pris évident de CNN qui s'efforce de promouvoir un récit favorable à la mise sous tutelle frauduleuse. Aussi imprudente qu'ait été la couverture de CNN, la plupart des défenseurs de Britney s'accordent à dire que TMZ est de loin le pire contrevenant. Pendant des années, TMZ a agi davantage comme un agent publicitaire de Jamie Spears que comme un organe d'information indépendant. Free Britney, as in remove the conservatorship. I think it's pretty obvious that the conservatorship is still necessary. So it's vital. Le fondateur de TMZ, Harvey Levin, a même reconnu que Jamie avait sauvé la vie de Britney. Britney was circling the drain. Oh, absolutely. It was desperate, where Jamie thought he was going to get a call from the coroner. If Britney didn't have this conservatorship, Britney might not be alive today. Contrairement à ce que CNN et TMZ ont rigoureusement affirmé, Britney a déclaré que son père avait ruiné sa vie. Et, le plus choquant, qu'elle croyait que lui et son équipe de direction essayaient de la tuer. Le contrôle des comptes de Britney sur les médias sociaux est également essentiel pour protéger le racket et éviter qu'elle n'en dise accidentellement trop. Une société appelée CrowdSurf a géré les comptes de médias sociaux de Britney pendant presque toute la durée de la tutelle. Et Cassie Petray a posté sur les pages de Britney. Nous savons maintenant que son équipe a régulièrement utilisé les médias sociaux de Britney pour mentir à ses fans et faire un récit qui protège la tutelle aux dépens de Britney. Il semble que Cassie ait même utilisé la page Twitter de Britney pour se souhaiter un bon anniversaire en 2011. Il convient également de noter que de nombreux défenseurs de Britney qui critiquent la tutelle ont vu leurs messages sur les médias sociaux censurés, supprimés ou, dans certains cas, leur compte entier supprimé. Cela montre qu'il y a eu non seulement une coordination avec l'équipe de Britney dans les médias grand public, mais aussi avec les grandes entreprises technologiques pour faire taire ses partisans. Sans les fans les plus fidèles de Britney, l'histoire de sa mise sous tutelle forcée n'aurait peut-être jamais vu le jour. Ce sont eux qui ont recherché les dossiers judiciaires et suivi l'argent. Ce sont eux qui ont découvert les noms et les visages des trafiquants qui ont enfermé Britney et jeté la clé. Il n'est pas étonnant que ses fans les plus virulents soient devenus l'ennemi public numéro un et qu'ils aient dû faire face au mépris de mauvais acteurs qui avaient le plus à perdre. There's nothing I love more than our pop princess Britney Spears and a good old conspiracy theory. Now her father Jamie is sounding off about that hashtag Free Britney, telling critics they don't know what they're talking about. All these conspiracy theorists don't know anything. Depuis que le tout premier fan de Britney est descendu dans la rue pour protester contre l'injustice qu'il avait découverte, les médias compromis les ont dépeints comme des théoriciens du complot fous et dérangés, sans amis et ayant trop de temps à perdre. Une humiliation classique pour quiconque dans l'histoire est assez courageux pour dire la vérité au pouvoir. S'ils peuvent sciemment cacher la vérité sur la situation tragique de Britney et lui permettre de rester victime d'une grave injustice aux mains d'entités commerciales corrompues, alors, en tant que public averti, nous devons nous poser la question suivante. Sur quoi d'autre ont-ils menti? S'il y a une bonne chose à tirer de l'histoire tragique de Britney, c'est que l'attention nationale se porte désormais sur les dessous hideux d'Hollywood et sur la corruption et les abus systémiques de l'industrie du divertissement dans son ensemble. Les jeunes stars qui ont suivi Britney se sont exprimées sur les abus qu'elles ont subis aux mains des puissants dirigeants de l'industrie. Disney aurait dû être l'endroit le plus sûr pour les enfants artistes en herbe à la recherche d'un rêve.
mais il est devenu l'un des pires contrevenants. Les antécédents troublants du géant des médias en matière d'embauche et d'octroi de passe-droit à des agresseurs d'enfants ou à des personnes ayant des antécédents de comportements dangereux envers les enfants sont bien documentés. Disney a engagé Victor Salva, un violeur d'enfants condamné, pour réaliser le film Powder. In a city where dreams are made, fame can come at a price. My first memory of when the abuse started and, you know, eventually progressed over the next 5 years. Videotape all of it. I mean, it was full blown. When they found out, Nathan's family went to the police and Salva was convicted and jailed. But that hasn't affected his Hollywood career. Powder, one of the scripts he wrote in prison, was distributed by Disney's Buena Vista Pictures. La société affirme qu'elle n'a su que Salva était un pédophile condamné qu'après le début de la production. Mais elle a refusé de le renvoyer, même après avoir appris le crime. And big names in Hollywood have been backing him throughout the entire process. It just seems like there's like an exclusive club and Victor's a part of that club. En 2018, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, a été condamné à l'échelle nationale pour des commentaires choquants qu'il a postés sur les médias sociaux et dans lesquels il a fait la lumière sur les abus sexuels sur les enfants. Il a été licencié après une intense pression publique. The offensive attitudes and statements discovered on James's Twitter feed are indefensible and inconsistent with our studio's values, and we have severed our business relationship with him. Mais Disney démontre une fois de plus son indifférence en le réembauchant dès que l'affaire a disparu de l'actualité. Hollywood might not like talking about it, but it doesn't take a lot of digging to find even more examples of how it often has selective amnesia when it comes to some of the past behavior of those it chooses to welcome into the fold. L'une des révélations les plus choquantes est un rapport de 2017. Révélant que 35 employés de Disney ont été arrêtés pour des crimes sexuels sur des enfants depuis 2006. En 2004, le New York Times a révélé l'existence d'un syndicat de trafic d'enfants hautement coordonné à Disneyland, où les victimes étaient identifiées par des robes jaunes, avant d'être récupérées et vendues à des criminels organisés. I'm Mel Thorpe from Shake It Up. Bella Thorne, une autre star de Disney, tout comme Britney, a ouvertement parlé des abus qu'elle a subis en tant qu'enfant interprète dans le système hollywoodien et expliqué comment tout le monde a vu mais n'a rien dit. Se faire agresser sexuellement de 6 à 14 ans semble être une situation bien plus difficile que d'être abusé physiquement en permanence. C'est une situation bien plus difficile que d'être suivi par des paparazzi depuis l'âge de 12 ans. J'étais encore victime d'abus quand les paparazzi me suivaient encore, mais je n'avais aucune idée du type de mauvais traitement que je subissais à ce moment-là, que tout le monde autour de moi voyait et ne faisait rien. La tendance des entreprises de divertissement à cibler les enfants talentueux des parents vulnérables se retrouve dans le cas d'une autre ancienne star du Mickey Mouse Club, Christina Aguilera. Elle était maltraitée par son père. Sa mère, Shelley Kearns, raconte avoir trouvé Christina enfant avec du sang sur le visage après que son père l'ait punie. And I go upstairs, and it's my four-year-old girl, and she has blood going down her chin. L'ancienne enfant star de cinéma Mina Suvari s'est récemment ouverte sur les abus qu'elle a subis dans l'industrie. Laced throughout her stories of sexual abuse through a series of bad relationships. You describe at 12 losing your virginity against your will, essentially. Mm-hmm. A part of me died that day, for sure. Ainsi qu'une rencontre inappropriée avec le pédophile présumé Kevin Spacey sur le tournage d'American Beauty. Paris Hilton, amie de longue date de Britney, a détaillé les abus dont elle a été victime à l'école Provo Canyon dans son documentaire « This is Paris » et lors d'une audience de déposition.
Les enfants étaient régulièrement retenus, frappés, jetés contre les murs, étranglés et abusés sexuellement à Provo. J'étais victime d'abus verbaux, mentaux et physiques au quotidien. J'étais coupée du monde extérieur et privée de tous mes droits fondamentaux. Je ne pouvais pas le signaler car toute communication avec ma famille était surveillée et censurée. C'est anticonstitutionnel, dégradant et terrifiant. La chanteuse Kaya Jones a déclaré que les Pussycat Dolls étaient un réseau de prostitution. Et la fondatrice du groupe, Robin Antin, qui a lancé un autre groupe de filles appelé GRL avec l'ancien manager de Britney, Larry Rudolph, était la, je cite, « mère de l'enfer ». Amanda Bynes, qui fait également l'objet d'une mise sous tutelle controversée, a tweeté qu'elle avait été abusée sexuellement par son père, mais a ensuite retiré ce commentaire. Elle a travaillé aux côtés de Dan Schneider chez Nickelodeon, qui a démissionné après que plusieurs allégations d'abus et de comportements très inappropriés ont fait surface. À la base de chacun de ces cas d'abus signalés se trouve le code du silence qui régit le secteur. Ces règles du secret sont si strictement respectées que de puissants abuseurs ont pu perpétuer leurs crimes répugnants en toute immunité pendant toute leur carrière. Cindy McCain, épouse du défunt sénateur républicain, a admis qu'ils étaient tous au courant du trafic sexuel d'enfants de Jeffrey Epstein au fil des années. Epstein was hiding in plain sight. We all knew about him. We all knew what he was doing. But we had no one that was no. Et a reconnu que les gens gardaient le silence, même après la première condamnation d'Epstein, permettant aux pédophiles de poursuivre son règne de terreur sur de jeunes victimes pendant plusieurs années sans conséquence. C'est exceptionnellement alarmant, puisque Cindy McCain est à la tête de l'Institut McCain, une organisation qui prétend combattre le trafic. Non seulement les grandes stars ferment les yeux sur les agresseurs les plus vicieux d'Hollywood, mais elles les félicitent ouvertement et les élèvent au rang d'intouchables. And the Oscar goes to Roman Polanski. Weinstein, Bob Weinstein, God bless him. Harvey Weinstein, who believed in us and made this movie. Harvey and Bob Weinstein. Harvey Weinstein. Thank you, Harvey Weinstein. Especially Harvey. I want to thank Harvey and Bob Weinstein. Thank Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey. I would like to thank Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, who had the guts, the courage, the commitment. Especially Harvey Weinstein, a man of dedication and vision. Harvey Weinstein. Well, listen, so... Des chercheurs et des défenseurs de l'initiative Libérer Britney se sont mis en quête de justice pour une seule personne et, ce faisant, ont découvert les ruses et les méthodes maléfiques utilisées pour contraindre de jeunes artistes à une vie d'abus et de servitude involontaire. Alors même que des millions de fans inconscients achètent leurs disques et participent involontairement à ce crime. Kanye pourrait-il être le prochain? Les débordements publics de la star du hip-hop sont bien documentés. Mais les parallèles entre sa situation et celle de Britney et Lindsay Lohan sont frappants. Lou Taylor a noué des liens commerciaux avec sa belle-mère. Kris Jenner, come on in. We start this half hour with word that Kanye West is waking up in a Los Angeles hospital where he's now under observation reportedly for exhaustion and stress. Après ce que les médias ont qualifié de débâcle publique en 2016, il a été contraint de se mettre en détention 51-50, un cadre juridique qui permet à d'autres personnes d'intervenir et de prendre des décisions en son nom. Des sources proches de Kanye ont déclaré pour ce documentaire qu'elle pensait qu'il avait été drogué et piégé, et que cette détention 51-50 était une tentative de prendre le contrôle de ses enfants et de son argent. Plus tard en 2020,
Kanye a tweeté que Kim envoyait des médecins pour le 51-50 et pour l'enfermer. Une accusation effrayante, surtout après avoir déjà appris que Kim Kardashian et Kylie Jenner avaient toutes deux des entreprises gérées par nul autre que Lou Taylor. Il est également intéressant de noter que Chris et Kim travaillent actuellement avec Edan Yemini et sa société de sécurité israélienne Black Box, qui aurait facilité la surveillance secrète qui a eu lieu au domicile de Britney. L'histoire de Britney a suffisamment sensibilisé le public pour protéger d'autres stars de cette stratégie corrompue de détournement de successions célèbres. Tous ceux qui croient en une justice égale, qu'ils soient fans de Britney ou non, devraient maintenant exiger des enquêtes criminelles complètes et étendues sur tous ceux qui ont conçu, perpétré et sciemment bénéficié de ces actes hideux de fraude et d'abus. Sinon, tout ce pourquoi le mouvement Libérer Britney s'est battu aura été vain. You want a piece of me, piece of me, 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 me. La toile de corruption de la tutelle de Britney est liée à de nombreux membres puissants de l'establishment politique, des acteurs de bas niveau jusqu'à la Maison Blanche. Le 8 février 2016, Lou Taylor a fait un don de $2,500 au Comité national démocrate. 10 jours plus tard seulement, Britney a défilé devant les caméras pour une séance de photos avec Hillary Clinton, alors candidate à la présidence, afin de donner un coup de pouce à sa campagne politique, un moment où le malaise de Britney pouvait difficilement être confondu. Dans un email divulgué par WikiLeaks, on apprend que les responsables du Comité national démocrate savaient que Britney était forcée de travailler contre son gré et que son équipe ne lui permettait pas de démissionner parce qu'elle gagnait trop d'argent. Lauren Durham a écrit ceci à propos de Britney au président des finances du DNC, Jordan Kaplan. C'est une pauvre gamine qui voulait quitter le jeu et être normale il y a longtemps. Mais ses parents, son manager, ses avocats ne veulent pas, parce qu'elle est une grosse vache à traire. Ainsi, même si les joueurs puissants étaient au courant de l'asservissement de Britney, ils ont non seulement gardé le silence, mais n'ont eu aucun problème à l'utiliser comme outil politique pour soutenir un candidat à la présidence pendant une année électorale. La vice-présidente Kamala Harris a occupé le poste de procureur général de Californie pendant les 6 années de mise sous tutelle de Britney. En tant que procureur général, Kamala Harris et son bureau ont ignoré les demandes d'intervention des défenseurs de Britney. La petite fille de Nina Simone affirme que Kamala Harris a été impliquée dans le vol des biens de la chanteuse de blues. La petite fille de la légendaire chanteuse Nina Simone accuse Kamala Harris d'avoir volé la succession de sa famille alors qu'elle occupait le poste de procureur général de Californie. Elle a écrit un tweet. « Je suis la petite fille de Nina. Ma famille ne gère plus son domaine. Il nous a été enlevé et donné à des Blancs. Le nom de notre famille a été traîné dans les médias. Nous ne recevons aucune redevance, rien. Vous voulez tenir quelqu'un pour responsable ? Demandez à Kamala Harris pourquoi elle est venue pour ma famille. » Et à ce jour, la vice-présidente est restée silencieuse sur Libérer Britney. Plusieurs cabinets d'avocats travaillant pour Jamie, tels que Sidley Austin et Holland & Knight, qui tirent d'énormes bénéfices de la mise sous tutelle, sont également des donateurs du DNC. Holland & Knight a engagé l'ancien membre du Congrès américain Ron Klein, qui gagne $1,285 de l'heure, directement imputé à la tutelle de Britney. Certains politiciens ont élevé la voix pour soutenir Britney.
La sénatrice Elizabeth Warren a récemment demandé au secrétaire du ministère du Logement et de la Sécurité intérieure, Xavier Becerra, d'examiner les données relatives à la mise sous tutelle de Britney, ce qui a d'abord été considéré comme un développement encourageant dans la lutte pour la libération de Britney. Toutefois, cet espoir a été de courte durée lorsque les défenseurs de la cause de Britney ont fait remarquer que M. Becerra avait systématiquement ignoré les appels à aider Britney lorsqu'il a pris les fonctions de procureur général de la Californie à la place laissée par Kamala Harris. Le représentant Matt Gaetz a été le premier membre du Congrès à s'exprimer en faveur de Britney. Je crois que la nation est très touchée par le contrôle que la procédure de tutelle exerce sur beaucoup trop d'Américains. Je suis heureux que Britney Spears ait enfin pu s'exprimer sur cette question hier. Il a accusé ses collègues du Congrès d'indifférence à l'égard de la question de la mise sous tutelle abusive et a affirmé qu'il bloquait en fait une enquête sur la situation de Britney. Je réitère l'appel au président Nadler pour qu'il nous permette de tenir des audiences sur les abus de mise sous tutelle. Je pense que le tout premier témoin devant la commission judiciaire devrait être Britney Spears. Libérez Britney. J'ai fini. Now we're going to get the latest on Florida Congressman Matt Gaetz. He's facing an FBI investigation over allegations of a relationship with an underage girl. Peu après ses déclarations, Gaetz a été accusé d'avoir utilisé un site appelé Seeking Arrangements pour trafiquer une jeune fille de 17 ans. Bien qu'aucune victime ne se soit présentée pour corroborer les allégations et que Seeking Arrangements ait depuis fait une déclaration publique disant qu'il n'a jamais eu de compte. Et je ne me laisserai pas extorquer par un ancien fonctionnaire du Doge et les escrocs avec lesquels il travaille. L'affaire a également abouti à l'inculpation de Stephen Alford, qui a tenté d'extorquer Gaetz à ce sujet. Certains fans de Libérer Britney ont suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une tentative de le faire taire et de l'empêcher de plaider en faveur de la liberté de Britney. Une démonstration claire de la conspiration visant à faire taire les partisans de Britney peut être montré dans le cas de John Eardley, le seul avocat honnête qui a travaillé agressivement pour défendre les droits constitutionnels de Britney. En février 2008, après avoir été engagé par Britney, Eardley a affirmé que quelqu'un lui avait arraché le téléphone pendant une conversation téléphonique. Puis, le 12 février, Eardley a déposé une demande de renvoi de l'affaire Britney devant le tribunal de district des États-Unis, affirmant qu'il était inquiet pour sa sécurité émotionnelle et physique et qu'elle était privée de ses droits constitutionnels. Malheureusement, cette requête a été mystérieusement rejetée par le juge Philippe Gutiérrez, qui a déclaré, sans examen formel ni preuve, que Britney n'était pas mentalement capable d'engager son propre avocat. Le porte-parole d'Eardley, Michael Sands, a déclaré que le vol était de grande ampleur et impliquait le racket, la fraude électronique et le blanchiment d'argent. Sands a ensuite déclaré qu'en raison de la défense de la liberté de Britney par Eardley, son bureau a été cambriolé et des fichiers ont été effacés de son ordinateur. Signe évident d'éléments de l'action du crime organisé visant à protéger les auteurs de la fraude massive perpétrée dans le cadre de la succession de Britney. Eardley a finalement été sanctionné pour avoir persisté à contester le contrôle de Jamie Spears sur les affaires de Britney, ce qui lui a valu de perdre sa licence d'avocat. Et dans un dernier coup de massue pour empêcher John Eardley de rendre justice à Britney, la juge Aviva K. Bob a approuvé une ordonnance restrictive l'empêchant d'avoir tout contact avec Britney. À la manière du crime organisé, des avocats compromis et sans scrupules sont nécessaires pour protéger les coupables tout en faisant taire les victimes à chaque instant. Très peu sont pires que Blair Burke. Elle a représenté Britney en 2007, puis son père en 2009, violant ainsi les codes d'éthique du barreau de l'État. La même année, Blair Burke a fait un témoignage qui a contribué à cimenter la mise sous tutelle et a également aidé à obtenir l'ordonnance restrictive contre John Eardley. Elle a prétendu à tort que Britney ne connaissait pas Eardley
et ne voulait pas de lui comme avocat. Alors qu'un enregistrement de la messagerie vocale de Britney elle-même révèle le contraire. Moi, Britney Spears, je souhaite que John Hurley me représente pour mettre fin à ma mise sous tutelle. Je suis saine d'esprit et de corps. Je suis retenue contre ma volonté. Mes droits civils sont violés. On m'a refusé mes droits constitutionnels. Burke a un long passé d'aide aux pédophiles et aux violeurs. Elle a représenté Harvey Weinstein et l'aurait aidé à piéger ses victimes. Elle serait à la tête de l'équipe juridique américaine du prince Andrew. Les représentants bipartisans Charlie Crist et Nancy Mace ont proposé un texte de loi portant le nom douteux de « Acte pour libérer Britney » afin de réformer les abus de mise sous tutelle. Les défenseurs du mouvement Libérer Britney se sont rapidement élevés contre ce projet de loi, le reconnaissant pour ce qu'il était. Une tentative transparente d'obtenir un financement illimité tout en plaçant simplement les victimes de conservation abusive sous le contrôle total du gouvernement. Les législateurs ont admis que cette loi ne donnerait lieu à aucune enquête criminelle et n'aurait pas le pouvoir de traduire en justice les parasites de la tutelle de Britney. Will the victims of guardianship abuse be able to see any sort of criminal charges? Not a part of this legislation, correct, Charlie? Charlie Crist et ses nombreux conflits d'intérêts font l'objet d'une attention particulière de la part des défenseurs du mouvement Libérer Britney. Il était procureur du district au moment de la négociation du fameux accord de faveur de Jeffrey Epstein et a été accusé d'avoir accepté des pots de vin de Scott Rothstein, qui est actuellement incarcéré pour avoir dirigé l'une des plus grandes arnaques de l'histoire. Crist était si proche de Rothstein qu'il fréquentait souvent sa maison et a assisté à son mariage en 2008 au manoir Versace. Lou Pearlman était le manager des boys band NSYNC et Backstreet Boy, tristement célèbres pour les accusations de jeunes hommes qui prétendaient qu'ils les avaient molestés ou qu'ils cherchaient à échanger des faveurs sexuelles pour les aider dans leur carrière. Il a été accusé de forcer les jeunes artistes à travailler de longues heures, avec des répétitions pouvant durer jusqu'à 8 heures d'affilée, dans des conditions déplorables, et de ne payer chaque membre de NSYNC que 10 000 dollars après 2 ans de travail éreintant et 10 millions de disques vendus, soit bien moins que le salaire minimum. Some light at the end of a long, dark tunnel for investors who were scammed by boy band legend and Ponzi schemer Lou Pearlman. En 2006, les enquêteurs ont découvert que Pearlman avait escroqué plus d'un milliard de dollars à des investisseurs. Charlie Crist a été accusé de retarder et d'interférer dans les enquêtes sur Pearlman lorsqu'il était procureur général de Floride. Why is this guy, who's the attorney general, not interested in this huge scam with thousands of victims? Pendant des années, Charlie Crist a eu tout le pouvoir nécessaire pour mettre fin à l'exploitation et aux abus horribles d'innombrables victimes. Mais il n'a rien fait. Il n'est pas étonnant que le projet de loi Libérer Britney soit une imposture complète et totale, conçue uniquement pour détourner l'attention des puissants criminels qui ont entraîné Britney Spears dans une vie de servitude forcée pendant près de 2 décennies. Toute sa vie, Britney a été piégée par des vipères maléfiques dans tous les sens. Il est extrêmement troublant que quelqu'un, en particulier sa propre famille, puisse être motivé par l'appât du gain au point de la déshumaniser à ce point, en la traitant comme un simple distributeur de billets pour leur luxueux style de vie. Grâce à la dévotion passionnée de ses fans, il semble que la résolution tant attendue de la mise sous tutelle involontaire de Britney soit proche.
L'horrible histoire de Britney nous a toutefois appris que notre lutte contre l'injustice de la traite des êtres humains ne peut jamais prendre fin. L'épreuve de Britney nous a montré que la corruption institutionnelle s'étend à tous les niveaux du pouvoir, jusqu'aux plus hautes fonctions du pays. Nous apprenons que les criminels organisés peuvent être riches, célèbres et puissants, et protégés au plus haut niveau par des personnes qui, avec éloquence, prêchent la moralité à la télévision tout en pratiquant le contraire en privé. Les fans de Britney sont des héros américains. Ils ont défendu non seulement une princesse pop bien aimée et un trésor national qui a défini une génération, mais aussi les droits garantis par la Constitution à chaque citoyen. Peu importe qui ils sont ou comment ils ont voté, libérer Britney sera toujours un moment décisif dans notre culture. Lorsque nous nous sommes réunis en tant que nation, avons mis de côté nos différences et nous sommes souvenus de ce qui nous unit vraiment tous. She cry, cry, cry. And they